VoiceOfCongo.net, news en real time. Lengo yote popola, tambo lambo kanyaso, tele mapeo tuna, makuloba, tenge ya kombato. Et eux, réellement, le moteur de diviser même les Congo, parce qu'il avait dit que le Congo est trop grand, donc il faut que les autres en bénéficient. Maintenant, que direz-vous de M. Hollande, le président français? Quelle est sa stratégie? Nous voyons apparemment ne pas être content du président actuel du Congo. Que pensez-vous de sa stratégie pour le Congo? Au Conseil des résistants congolais qui a voulu organiser cette journée d'aujourd'hui, il y a de cela deux ou trois ans, on voulait le faire avec toujours M. Charles Onana, mais ça a loupé. C'est ce qui fait ma fierté aujourd'hui parce qu'il est là parmi nous. Et que vive le Congo, que vive la résistance. Moi, je m'appelle Odimba Kassende, autrement connu par les combattants et résistants, et Panza Makita. Alors, je remercie personnellement Charles Onana. Pourquoi? Parce que Lumumba a dit, l'Afrique écrira sa propre histoire. Et c'est ce qu'il est en train de faire, surtout pour nous Congolais. Et j'ajoute, ce qu'a dit mon frère, Frac Fanon a dit, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est au Congo. Donc Dieu a tout chié au Congo, et raison pour laquelle nous voyons le sang qui coule. Ma préoccupation, dans votre livre, le récent, vous avez parlé de démembrement, quelque part, partition, balkanisation au Congo. Croyez-vous à ça, d'après vos recherches? Et si il en est ainsi, qu'est-ce que vous allez conseiller aux Congolais que nous sommes? Parce que moi personnellement, je suis convaincu aujourd'hui, c'est pas les formations, parce que ça fait plus de 3 ou 4 mois, nous avons appris que vous serez ici. Ce n'est pas l'information, mais je vous assure, nous Congolais, nous vivons dans une sous-alimentation et formation la plus totale. C'était passé dans des chaînes, dans des internet, bouche à bouche, et il y a eu des affiches partout. Sauf celui qui n'a pas voulu savoir, n'a pas pu lire, parce que nous vivons dans une sous-alimentation et formationnelle la plus totale. Ça, c'était ma première préoccupation. La deuxième, jamais il y a eu des Tutsis au Congo, parce que je connais l'ethnographie du Congo. Et quand nous parlons des Tutsis qui ont envahi le Congo, on considère les Congolais des xénophobes. Comment vous expliquez cela, vous, en tant que journaliste? Mais quand on parle des Juifs, ou quand on parle de l'Holocauste, ou quand on fait allusion à ce qui s'est passé au Rwanda par rapport à ce que je vois dans mon pays, on ne parle pas des xénophobes là-bas, sauf quand les Congolais veulent revendiquer ce qui se passe chez eux, ils sont considérés des xénophobes. Comme vous, en tant que chercheur, comment pouvez-vous nous expliquer cela? Je ne vais pas noyer tous les temps, sinon j'ai plus de 20 questions. Mais j'aimerais assez que les autres prennent aussi la parole. Je vous remercie. Je pense remettre moi la parole à Charles pour répondre. Oui. Bon, très rapidement, bon, je remercie le professeur Chiakudia pour ses encouragements et chaleureux. Et donc, évidemment, ça me va droit au cœur. Je pense que j'essaye, et modestement, et j'essaierai toujours de continuer à me battre pour le Congo et pour l'Afrique. Je me suis
pas impressionné par les menaces, je ne l'ai jamais été, je ne pense pas que ça va commencer. Alors, l'influence de la France, on l'a vu avec Sarkozy, quand il avait effectivement fait sa conférence avec un panel de diplomates français, où il disait effectivement que le Congo était très grand, était un pays riche et qu'il fallait partager ses richesses avec le Rwanda. Et donc, je pense que c'était peut-être un excellent président très agité, mais je pense qu'il avait une connaissance, je dirais, un peu primaire de l'histoire de la France. Parce que s'il avait un souvenir très important, il a commis une série d'erreurs historiques dans les analyses, etc. Je pense qu'il aurait... Il aurait peut-être été un bon avocat, j'en sais rien. Mais quand en ce qui concerne les relations franco-africaines, il a étalé beaucoup de limites et surtout beaucoup de maladresses. La première maladresse, évidemment, c'était quand il était allé à Dakar dire que l'Afrique était un continent qui n'a pas connu d'histoire, etc. Bon, je pense que le général de Gaulle a dû se retrouver 15 fois dans sa tombe parce que en septembre 1940, la première défaite franco-française entre les forces du maréchal Pétain et les forces de Gaulle, soutenue par les Britanniques, a été causée à Dakar, au large de Dakar. C'est-à-dire que lorsque Churchill de Gaulle était venu voir, avait vu Churchill ici en lui disant que la meilleure façon de reprendre la résistance française, de réorganiser la résistance française, c'était de prendre le port de Dakar. Parce qu'à l'époque, en 1940, la France avait deux ports très stratégiques très importants. Il y avait le port du Maroc et celui du Sénégal. Et c'est là où se retrouvaient les forces les plus consistantes du maréchal Pétain. Et De Gaulle, dans les discussions avec Churchill, consistait à dire que si on prend Dakar, on a la possibilité de mobiliser l'ensemble de l'Afrique à l'effort de guerre. Et donc c'est à Dakar que De Gaulle a été battu pour la première fois en tant que chef de la France libre. Et à l'époque, les Anglais qui avaient mis à sa disposition l'ensemble de la flotte lui ont dit « Mais maintenant que vous êtes battu à Dakar, que va devenir la France libre ?» De Gaulle, découragé, démobilisé, il a été accompagné par les Anglais au port de Douala au Cameroun et c'est là-bas que De Gaulle a trouvé les Camerounais, les Africains, l'attendaient comme le libérateur de la France. Bon, ces épisodes sont effectivement pas racontés, mais ici, aux archives de Grande-Bretagne, vous pouvez trouver ces éléments de façon précise. Donc, quand Sarkozy, et puis surtout, j'ajoute qu'après la défaite de Dakar, la mobilisation, l'une des plus grandes mobilisations du recrutement des tirailleurs sénégalais, dont les Sénégalais, les Ivoiriens, les Guinéens, etc., le recrutement massif était fait à partir de Dakar. Et donc, quand quelqu'un peut aller sur un territoire comme celui-là, faire une telle déclaration, c'est quand même scandaleux sur le plan historique. La deuxième maladresse, c'est évidemment lorsque... Il oublie quand il dit qu'il faut que les Congolais partagent leur territoire et leur richesse. Il oublie que lorsque les Allemands, pendant la Première Guerre, avaient pris l'Alsace-Lorraine, on n'aurait jamais, aucun Français n'aurait accepté qu'on lui dise que la France est trop grande. Partager l'Alsace-Lorraine avec les Allemands, personne ne l'aurait accepté. Et ce n'est pas pour rien que les Français se sont battus pour reprendre l'Alsace et la Lorraine aux mains des Allemands. Donc il est évident que lorsqu'on fait de telles déclarations avec des diplomates, je suppose que bon, soit il était mal conseillé, soit il était entouré de gens de mauvaise foi, mais en tout cas cette déclaration n'était pas du tout la bienvenue. Et elle a fait beaucoup de mal, je vais dire, aux Congolais qui étaient déjà en train de souffrir dans l'occupation et de massacres et de viols sur leur territoire. La deuxième chose que je peux dire par rapport à l'autre volet de la question, c'est sur la stratégie de François Hollande. Bon, ce que je sais, et bon, on a dû le voir, vous l'avez su aussi, c'est qu'il y a eu, avant le sommet de la francophonie, une véritable bataille politico-diplomatique qui s'est déroulée à Paris. Sur le fait de ceux qui soutenaient que la francophonie se tienne à Kinshasa et ceux qui étaient contre. Bon, évidemment, au sein du dispositif français,
il y a des gens qui sont très proches de la vision des Britanniques et bien entendu des Américains et aussi surtout du Rwanda qui ont préféré que le sommet de la francophonie se tienne à Kinshasa pour ne pas désavouer publiquement Kabila. Et donc, Kanembe, ça dépend, je ne sais pas très bien quel est son nom, mais enfin, vous aurez compris à quoi je fais allusion. Donc, finalement, cette conférence a pu se tenir dans ces conditions difficiles sur le plan politique, mais surtout, je pense que depuis que François Hollande est arrivé au pouvoir, la question des Grands Lacs est pour lui une question brûlante. Il est très difficile pour lui de trancher comme ça très facilement, alors que Jacques Chirac, son prédécesseur de droite, n'a pas tranché, et que surtout Sarkozy est venu tout chambouler. Donc, en ouvrant, d'abord en accueillant à l'Élysée le chef de l'État rwandais contre l'avis des militaires français, et d'ailleurs le général Lafourcade, que j'avais rencontré à plusieurs reprises sur cette affaire, m'a dit qu'ils ne peuvent pas accepter, ils ne peuvent pas comprendre qu'un chef d'État africain qui insulte tant la France et qui a un tel mépris pour les militaires français soit accueilli à l'Élysée. Évidemment, la vision de M. Sarkozy, vous savez qu'elle était très alimentée et très soutenue par le meilleur défenseur de Kagame, et qui est M. Bernard Kouchner. Et donc, évidemment, c'est sous la houlette de Bernard Kouchner que tout cela a été monté et soutenu à l'époque avec M. Tony Blair. Donc, si vous voulez, on s'est retrouvé dans une situation en France, on se retrouve dans une situation en France où il y a plusieurs groupes qui sont en désaccord sur la ligne à tenir. Vous avez un tout petit noyau de gens autour d'Hollande qui pensent qu'il faut faire autrement. Mais vous avez des pro-Kagame qui sont encore très influents dans l'appareil politique et qui sont les tenants de la ligne ancienne. Mais je reste persuadé que encore un peu d'effort et les Congolais vont réussir à faire basculer les choses dans leur camp, puisque un certain nombre de Congolais ont commencé à organiser des conférences avec l'aide du Parti communiste. Qui à l'époque, et donc les membres ou un certain nombre de militants ont toujours été très pro-Kagame et contre la politique française au Rwanda en 1994, je tiens à vous dire tout simplement pour votre gouverne que sur les conseils, bien entendu, des Américains et des Britanniques, les mouvements de gauche ont été très sur le dossier du Rwanda avec l'aide d'African Rights ici à Londres. Donc, par Madame Rakia Omar, je crois que c'est ça, hein, donc qui a été travaillé tous les groupuscules de gauche pour leur dire que, écoutez, la France a commis au Rwanda la même faute qu'elle a l'habitude de commettre dans son histoire coloniale. Et ça a été un filon extrêmement efficace qui a fait que les gens ne se sont plus posés des questions sur le rôle, le vrai rôle de la France. Et je pense que ce sera l'objet probablement de notre travail. Je suis resté très silencieux sur le rôle et l'implication de la France au Rwanda parce que je voulais être convaincu que les choses sont passées en partie comme on le dit ou de façon contraire à ce qu'on le dit. Donc, à ce qu'on dit. Donc, aujourd'hui, j'ai ma propre conviction sur cela. J'aurai l'occasion de l'exprimer à une autre occasion. Mais ce que je peux dire dès à présent, c'est que les accusations, moi je suis très à l'aise d'ailleurs pour le dire, ce que j'ai condamné l'intervention française en Côte d'Ivoire de façon totale et radicale. Et je ne crois pas que si la France avait eu en Côte d'Ivoire la même position qui avait été celle de sa politique au Rwanda, je ne suis pas sûr que le président Laurent Gbagbo serait tombé, puisque dans le cas du Rwanda, la France avait respecté ses accords de coopération sur le plan bilatéral, alors que dans le cas de la Côte d'Ivoire, elle a violé les accords de 61 qui obligeaient la France à intervenir en cas d'agression extérieure. Et ce qu'on a eu en Côte d'Ivoire depuis 2002, ce n'était rien d'autre qu'une agression extérieure où des gens sont venus du Burkina Faso pour déstabiliser le pays. Donc, évidemment, les observations de Sylvain me paraissent ne souffrir
d'aucun rajout. Hein. Nous avons nous-mêmes aussi nos propres limites et je pense que ce sont nos limites qui, en fait, jusqu'à présent, qui font nos faiblesses. Les Africains ne sont pas encore convaincus qu'ils sont compétents et qu'ils ont les capacités intellectuelles, politiques et économiques de tous les autres types de personnes de la planète. Même quand ils proclament que non, ils sont compétents, quand ils sont à côté d'un occidental, ils ont toujours quelque chose dans leur tête qui leur dit « Vous êtes quand même un peu en dessous. » On a tellement intériorisé le discours de domination, d'infériorisation, qui fait que, eh bien, et ça commence toujours très généralement par les dirigeants politiques, qui vous disent en privé, écoutez, quand ils sont entre eux, ben écoutez, les Occidentaux ne nous impressionnent pas, etc. Je l'ai vu d'ailleurs très bien dans le dossier de la Côte d'Ivoire. Mais dès lors où l'armée française était là avec un certain nombre de diplomates, certains des plus fervents défenseurs du président Gbagbo étaient les premiers, quand ça commençait à tourner au vinaigre, à aller rapidement au consulat de France chercher à avoir la possibilité d'avoir un asile politique si jamais les choses tournaient mal. Donc vous voyez que pendant que le chef d'État, lui, qui a eu la possibilité de le faire 20 fois ou 100 fois, a décidé de mourir dans son palais. Donc, c'est pour vous dire que accepter d'affronter l'adversité, ce n'est pas encore une chose qui est complètement acquise dans notre psychologie. Hein. Je dirais même que c'est l'essentiel de notre bataille. Et je le vis beaucoup aussi avec nos intellectuels, nos diplômés, qui, quand ils ont fait Oxford, Manchester, la Sorbonne à Paris, eh bien, ils ont toujours quelque chose de subalterne dans leur psychologie, dans leur façon de fonctionner. Et je crois que moi, je me suis libéré, j'ai fait beaucoup d'efforts pour me libérer de ça parce que j'avais identifié quelques démenciers dont on a parlé, comme chez Kanta Diop et d'autres, qui disaient que, lors d'une des conférences, ils disaient que l'Afrique est en train de vivre l'une des plus grandes menaces qui ressemble à la menace qui a provoqué la disparition des espèces. À l'époque, lorsque Cheikh Anta Diop disait tout cela, eh bien, on lui disait toujours, il a eu la conférence de Niamey qu'il avait tenue à un moment donné, il disait que, bon, tous les Africains lui posaient des questions, mais si vous êtes un savant, mais finalement, mais pourquoi les Occidentaux ne vous reconnaissent pas? Bon, ça l'amusait beaucoup parce qu'il disait que tant que les Occidentaux ne vous ont pas reconnu, ça signifie que vous n'existez pas. Et vous aurez remarqué que celui qui ne passe pas sur une chaîne de télévision, sur CNN par exemple, ou sur la BBC, ou sur France 24, eh bien, on ne le considère pas nécessairement comme quelqu'un de sérieux. Parce que le système tel qu'il fonctionne ne l'a pas encore reconnu. Et tant qu'on ne l'a pas encore reconnu, ses propres compatriotes peuvent manger avec lui tous les jours et vont se dire que non, il y a quelque chose qui te manque encore. Donc, quand on va arriver à comprendre, moi j'ai dit que je me moque éperdument de ne pas passer sur CNN, sur la BBC ou sur France 24, je me moque éperdument que je sois reconnu par X ou Y, comme on accepte de m'accorder une interview sur une grande chaîne de télévision. Mais je dis, et je dirai toujours, sur les sujets sur lesquels je travaille, je mets au défi les meilleurs spécialistes de cette question pour venir avoir un débat public avec moi. Et je pense que le public occidental ou africain aurait le temps de juger de qui a des choses intéressantes à dire et qui n'en a pas. Est-ce que finalement les Africains sont prêts à s'unifier? Mais hein, je crois que j'ai déjà répondu à la question. Non, parce que finalement, pour qu'on puisse s'unir sur des causes communes, sur un sujet commun, moi j'ai eu beaucoup de problèmes avec mes compatriotes congolais pour leur dire faites des choses ensemble. Chacun a envie d'être chef. Moi, je peux leur dire, c'est une mentalité qui est générale en Afrique centrale. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Tout le monde a envie d'être chef. Et tout le monde a envie qu'on dise que c'est lui qui a fait. Mais, finalement, moi, ça ne me dérange pas que mon ami puisse faire dès lors où il est compétent, dès lors où il sait faire. Et ça rejoint les observations que faisait Sylvain tout à l'heure. C'est que si vous savez que telle personne est rigoureuse sur le plan des horaires, mais mettez-le pour qu'il organise tout ce qui est horaire.
D'abord, un, ça vous enlève un travail supplémentaire. Deux, ça donne du travail à la personne qui est compétente et qui sait faire. Et elle va faire mieux que vous et mieux que quiconque. Quand vous avez quelqu'un qui sait manier les caméras, mais ne venez pas vous disputer une caméra avec lui alors que vous filmez mal. Donc, laissez-le faire et il va le faire et vous aurez de belles images et ce serait le prestige de toute la communauté qui aura bénéficié de ça. Chez nous, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que font les résistants, mais eux, ils disent qu'ils sont résistants. Mais ils ne savent pas faire ce que font les résistants, même le dixième. Et vous allez trouver parmi les résistants des gens aussi qui ont envie de faire ce que les spécialistes des droits de l'homme ou les militants politiques de haut niveau font. Mais ils n'ont pas les compétences nécessaires pour le faire, mais ils pensent quand même que c'est quand même mieux que, comme on les connaît déjà comme résistants, il faut qu'eux, ils fassent cela. Donc, si vous voulez, ça crée chez nous des situations de conflit et ça crée aussi des conflits de compétences. Parce que j'ai toujours dit à mes amis, quand ils m'appellent, ils me disent « Oui, mais Charles, bon, après tout ce que tu dis, est-ce qu'il est possible que tu viennes faire ta vie ?» Je dis « Non, je ne sais pas faire. Je préfère que telle ou telle personne qui sait faire fasse cela. Moi, appelez-moi quand c'est ce que je sais faire, vous serez sûr que vous ne serez pas déçu. Mais si je m'approprie quelque chose que je ne sais pas faire, ce n'est pas parce que c'est Charles Bernard que ce sera nécessairement bon. Non, je ne crois pas. Donc, si vous voulez, la question sur notre unité va venir le jour où, un, on va perdre notre complexe d'infériorité, mais complètement. Deux, quand on va apprendre à respecter les compétences des uns des autres. Et ce sera très facile et on sera efficace. Alors, j'ai parlé de démembrement de partition dans mon livre. Est-ce que je crois à ça? Oui. Vous savez, ça fait plusieurs... Je crois que le premier livre que j'ai sorti, effectivement, sur l'attentat quand je commençais, c'était en 2002. Et en 2002, pour ceux qui ont lu le livre, il y a un chapitre intitulé « Kagame et la guerre des diamants au Congo ». En 2002, les Congolais ne croyaient pas que ce qui était en train... que cette guerre-là que Kagame menait était celle-là. Et que derrière lui, il y avait un certain nombre de gens qui étaient déterminés à s'emparer de ses richesses. Je me souviens de beaucoup de mes compatriotes congolais, quand je leur en parlais, ils disaient « mais non, mais ça ne va pas se faire », etc., etc. On a attendu combien d'années pour avoir la preuve irréfutable que c'est cela. La deuxième chose, un autre argument, mais qui, lui, n'a rien à voir avec les Congolais, c'est les Soudanais. Quand j'ai écrit, bon, ceux qui savent, qui suivent ce que je fais, savent que j'ai écrit un livre sur le Soudan. Mais pourquoi j'ai écrit un livre sur le Soudan? Parce que, effectivement, ici à Londres, il y a eu une énorme campagne qui était connectée avec le groupe Save Darfour aux États-Unis, qui disait qu'il y avait un génocide contre les Noirs du Darfour. Et il y avait également en France l'association Urgence Darfour qui était pilotée vers Bernard Kouchner et d'autres. Évidemment, sur CNN, sur la BBC, sur toutes les chaînes de télévision, vous n'arrêtiez pas de voir à l'époque que le président Al-Bashir du Soudan menaçait d'exterminer tous les Noirs du Darfour. Il est évident que la plupart des Noirs américains en premier avaient été très sensibilisés par cette affaire, ils se sont mobilisés là-bas, les églises américaines se sont mobilisées pour défendre les Noirs du Sud-Soudan, et ici en Grande-Bretagne, la campagne a été tellement forte et importante que tout le monde disait que si on ne se dépêche pas, il n'y aura plus un seul Noir au Darfour. Donc j'ai commencé par me poser la question de savoir, mais au fait, mais le président Al-Bashir, si je regarde son phénotype, il n'a pas la tête d'un blanc. Mais comment lui, il peut avoir envie d'exterminer les Noirs au Darfour alors que lui-même, il est très proche ou il ressemble beaucoup à ces gens-là? Et puis, je me suis posé une deuxième question en me disant, mais au fait, pourquoi les Américains et les Britanniques sont tellement mobilisés sur cette affaire alors qu'il y a des Noirs en Grande-Bretagne qui souffrent d'insécurité, de discrimination, il y en a beaucoup aux États-Unis qui sont même dans le couloir de la mort alors qu'ils sont innocents. Qu'est-ce qui justifie cet attachement qu'ils ont avec les Noirs du Darfour? Mais, troisième question, je dis, mais au fait, à côté même du Soudan, il y a des Congolais. Mais il y a des millions de Congolais qui sont tués, mais pourquoi
les Noirs du Darfour, ceux du Congo sont à côté, ne les intéressent pas. Ceux qui sont sur leur territoire ne les intéressent pas, mais seulement ceux du Darfour. Donc j'ai décidé de commencer mon enquête. Parce que j'avais des indices qui me donnaient l'impression qu'il y avait quelque chose de suspect. Alors en menant mes investigations, bon, j'ai fini par comprendre que le président al-Bashir eut la cause palestinienne, qu'il était très impliqué lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Il a ouvert tout le pays aux musulmans du monde entier. C'est d'ailleurs pour cette raison que Carlos, le terroriste, s'est retrouvé à Khartoum, c'est pour ça que Ben Laden se retrouvait à Khartoum. Je suis allé voir la maison où Ben Laden se retrouvait à Khartoum. Et puis surtout, j'ai eu une longue discussion avec Carlos, le terroriste. Donc, il m'a expliqué beaucoup de choses. Et au terme de nos échanges, et d'ailleurs, c'est quelqu'un de très très cultivé, qui n'est pas le type qu'on a présenté, je ne dis pas que les crimes ou certains des crimes pour lesquels il est accusé, il ne les a pas commis, non. Mais il le dit d'ailleurs lui-même très clairement, il dit « je suis un militant de la cause palestinienne ». Et donc, le département d'État américain à l'époque avait mis le Soudan sur la liste des pays qui soutiennent le terrorisme international avec Cuba. Mais je n'ai pas le souvenir que Cuba a posé une bombe quelque part pour commettre un attentat. Bon, mais je sais que le Cuba avait soutenu le Congo dans sa guerre contre l'occupation déjà à l'époque coloniale. Et que le Fidel Castro disait que, eh bien, ça choque les Occidentaux qu'on aille défendre le Congo sans repartir avec des caisses pleines de diamants ou de pétrole ou d'autres minerais. La caisse que les Cubains ont ramenée après leur soutien au Congo, c'était des morts cubains. Et ça, les Occidentaux ne peuvent pas digérer cela. Donc, évidemment, Cuba a été inscrit sur la liste des pays qui soutiennent le terrorisme à cause de l'intransigeance de Fidel Castro pour la libération de son pays. Et pour son engagement côté du tiers-monde et du Congo, qui était à l'époque une zone stratégique d'influence des États-Unis. Donc, pour toutes ces raisons réunies, Cuba s'est retrouvé sur la liste des pays qui soutiennent le terrorisme international. Et évidemment, j'étais intrigué par toutes ces questions et donc, je suis arrivé à la conclusion que vous avez dû suivre également pendant les Jeux Olympiques, je crois, de 2008 en Chine, je crois que c'était ça, si ma mémoire ne me trompe pas, une mobilisation très importante contre la Chine, en disant qu'il fallait empêcher que les JO soient ouverts par M. Spielberg, d'ailleurs, a refusé de, alors qu'il était le parrain des Jeux, il a refusé de faire l'ouverture des JO. Mais je découvre que finalement, la Chine a un point commun avec le Soudan. C'est que la Chine s'est toujours impliquée dans la cause palestinienne et que le premier bureau de l'OLP en 1965 a été ouvert à Pékin. Et que la Chine a toujours été pour une solution pacifique et juste au Proche-Orient. Et donc pour cette raison-là, et pour le fait que lorsque le Soudan a été mis sous embargo par les États-Unis, et que le Soudan a été bombardé en 1998 par les États-Unis en disant que le Soudan fabriquait des armes chimiques, les deux bombardements d'ailleurs qui avaient eu lieu à Dar es Salaam et à Nairobi, ont permis aux Américains de justifier à l'époque le fait qu'il fallait anéantir Khartoum qui menaçait le terrorisme. Mais je découvre pendant mon enquête qu'en 1993, les services secrets soudanais décident de remettre Ben Laden aux Américains. Lorsque l'avion de Ben Laden décolle de Khartoum, la discussion avant que l'avion ne décolle, une discussion a lieu à Washington DC avec le patron des services de renseignement soudanais qui dit voilà la date à laquelle Ben Laden doit partir, si vous avez besoin de lui on vous le remet sur un plateau. Les Américains ont dit qu'ils ne voulaient pas de Ben Laden. Donc, avant l'événement du 11 septembre, je l'ai écrit, personne n'a démenti puisque les éléments d'information que j'ai obtenus sont à la fois de sources américaines et de sources soudanaises. Je remarque également, parce que je demande donc aux Soudanais de m'expliquer pourquoi ils ont livré Khartoum
à la France, pourquoi ils ont livré Carlos à la France en 1994. Les Soudanais refusent de m'expliquer pourquoi. Donc finalement, j'obtiens un entretien avec Carlos. Et Carlos m'explique lui-même dans quelles conditions il a quitté Khartoum et pourquoi. Et je me rends compte que finalement, le but du président Al-Bashir et des Soudanais, des autorités soudanaises, c'était que, en remettant Khartoum à la DST, puisqu'on était accusé d'avoir assassiné deux policiers de la DST, le service du contre-espionnage français, le Soudan, c'est les deux propositions sont d'ailleurs valables. Le Soudan, en proposant Ben Laden et en proposant Khartoum, allait être rayé de la liste des pays qui soutiennent le terrorisme international et on allait lever l'embargo contre Khartoum. Évidemment, pendant mon enquête, je comprends tout cela et j'arrive à me dire que finalement, la chose la plus grave, malgré toutes ces petites choses ou ces moyennes choses que Khartoum fait, c'est que Khartoum a confié un certain nombre de puits pétroliers aux Chinois qui exploitent les puits pétroliers au Soudan. Et puis surtout, la Chine investit dans l'infrastructure au Soudan de façon importante. Et donc, les Soudanais pensent finalement que pour, après avoir fait tout cela, ben, ils n'ont pas eu gain de cause. Et que le président Al-Bashir, au moment où il croit qu'il commence donc à faire ses concessions aux Chinois, c'est là que notre campagne se déclenche pour demander l'arrestation du président Al-Bashir, pour le traduire devant la Cour pénale internationale comme quelqu'un qui pour acte de génocide. Donc évidemment, j'enquête sur M. Ocampo et je me rends compte que la première association que fonde Ocampo lorsqu'il était avocat en Argentine était financée par le département d'État américain. Et donc, la désignation de M. Ocampo comme procureur par la Cour pénale internationale est une décision politique pour mener des actions politiques en se servant du droit pénal international, du droit humanitaire international. Et donc, finalement, tout cela, c'est une volonté de s'emparer des ressources africaines en mettant à la tête des États des gens qui sont totalement incompétents. Et pourquoi je vous raconte tout ça? C'était pour répondre à la question de la partition. J'ai rencontré les autorités soudanaises à l'époque, je leur ai dit, faites attention. Si vous divisez votre pays, vous allez être plus exposé à la menace extérieure que quand vous restez unis. Parce que pour pouvoir mener une intervention militaire, même aérienne, contre le Soudan, il faut franchir l'espace aérien international. Mais à partir du moment où ils ont accepté la partition, deuxième grande erreur politique du président Al-Bashir, et je prends date avec vous de voir si d'ici avant qu'il ne quitte le pouvoir, il va avoir des ennuis. Il va avoir des ennuis venant principalement des Américains et des Britanniques. Donc je décide, donc je leur dis, écoutez, vous allez avoir des problèmes si vous acceptez la partition avec monsieur. Et qui va devenir président du Soudan? Monsieur Salva Kiir, qui a fait la campagne présidentielle avec le président Al-Bashir, où il prônait l'unité avec les Sud-Soudanais. Même l'ancien chef de la rébellion du Sud-Soudan, comment il s'appelle? John Garang, avait toujours été contre la partition du Soudan, parce qu'il considérait que il fallait utiliser une situation d'autonomie du Sud-Soudan, mais pas la partition, pas de diviser le pays en deux. Et qu'est-ce qui s'est passé après la partition? Immédiatement après la partition, tous les services spéciaux anglo-saxons se sont retrouvés au Sud-Soudan pour menacer de déstabiliser le pays. Moi, je ne suis pas un expert militaire, mais pour avoir l'habitude de travailler sur ce genre de dossier, il me paraissait évident que la menace du Soudan allait être plus importante après la partition qu'avant la partition. Donc, pour le Congo aujourd'hui, et quand vous regardez bien le Sud-Soudan, vous remarquez la frontière avec une partie du Congo est nécessairement la partie la plus sensible, n'est-ce pas? Oui, justement. Bon, et qu'est-ce qui va permettre... Quand vous savez déjà que par le passé, le Sud-Soudan a été financé
soutenu militairement à partir de l'Ouganda. Comment pouvez-vous expliquer une fois que le Sud est devenu indépendant, le Sud ne va pas travailler et avec le Rwanda et avec l'Ouganda contre les intérêts du Congo? Il travaille déjà. Ça se fait déjà. Donc, la situation pour moi de la partition du Congo n'est pas une fiction. Je pense tout simplement que, et c'est là où les Congolais, je leur tire un grand coup de chapeau, c'est qu'ils ont résisté depuis 97 comme des lions. Les gens ont cru que sous prétexte qu'ils n'étaient pas armés, sous prétexte qu'ils n'avaient pas des drones, etc., le Congo allait partir comme ça. Eh bien, le Congo n'est toujours pas parti et c'est bien ainsi. Il va falloir que les Congolais continuent de se battre, mais deux fois plus, pour ne pas accepter ce projet indécent, et je dirais, qui est une véritable violation du droit international dans une société contemporaine. Et surtout, je crois que les Congolais, il n'y a personne qui peut leur faire le reproche de se battre pour défendre leur territoire, parce que ni les Anglais, ni les Français, ni les Américains, personne de dans ces pays-là ne peut accepter que son pays soit divisé, qu'il soit pauvre ou riche. Et je crois donc que le combat des Congolais est parfaitement légitime. Alors, les conseils, quels conseils? Je n'ai pas de conseils à donner aux Congolais, ils sont très intelligents. Ils ont démontré à la face du monde que leur pays n'était pas une pièce détachée, qu'on pouvait venir ramasser et partir comme ça impunément. Donc, même si pour l'instant Kagame croit être le maître du jeu, je crois qu'il ne pourra jamais rendre, que ce soit aux Britanniques, aux Américains, les services que le maréchal a rendus. Et pour cela, je pense qu'il est un petit par rapport à ce qu'il veut faire au Congo. Alors, oui, mais parce que pour l'instant, c'est que les Ivoiriens ont vécu. Quand les Ivoiriens disaient que l'éligibilité et la nationalité sont intimement liés, on leur disait que non, ils n'aimaient pas les étrangers. Alors qu'il y a eu sous Fouad Boigny des ministres qui étaient étrangers. Mais quand je dis étrangers, c'est pas d'origine étrangère. C'est-à-dire qu'ils avaient leur carte d'identité étrangère. C'est le cas d'Alassane Ouattara, l'actuel président de la République. Il a été premier ministre de la Côte d'Ivoire avec une carte d'identité étrangère. Et je l'ai démontré en publiant le communiqué du Fonds monétaire international lorsqu'il avait été admis au Fonds monétaire international comme fonctionnaire. Et j'avais retrouvé aux États-Unis l'organe qui lui avait attribué la bourse en 1965, lui a donné la bourse en tant qu'Ivoirien. En tant que... Pardon pour le lapsus maladroit. Et donc, je me suis dit, mais de quel droit on traite les Ivoiriens de xénophobes alors que pour être président aux États-Unis, vous avez intérêt à être né américain? Je suppose que pour devenir premier ministre en Grande-Bretagne, il y a quand même un minimum de conditions élémentaires à remplir. Et donc, pourquoi on veut absolument que les Ivoiriens, qui ont d'ailleurs voté une constitution de façon unanime, parce que Alassane Ouattara lui-même avait validé cette constitution, comment on peut demander aux gens, en disant quand les Africains respectent leur constitution, on dit qu'ils sont xénophobes. Quand ils violent la constitution, on dit qu'ils sont bizarres, parce qu'ils n'ont pas les capacités de respecter leur constitution. Donc à un moment donné, il faut arriver à mettre les gens en face de leurs contradictions. Personne ne peut accepter qu'on viole les institutions en Grande-Bretagne. Personne, aucun Britannique ne peut l'accepter. Mais pourquoi tout d'un coup, quand les gens veulent respecter la constitution de leur pays, on leur dit que bon, ils sont xénophobes? Non, je crois que cet argument est fallacieux et il vise simplement à intimider les Congolais pour qu'ils ne réclament pas leur droit. Je vous remercie. Maintenant, le numéro 4. Le numéro 5. Essayez un peu d'être propre, s'il vous plaît. On n'a pas de temps. Le maman déclare la parole. All right. Je suis Guilin. Je ne vais pas être si long. Je vais par contre commencer par remercier M. Charles Onyana pour tout ce qu'il nous fait lire dans ses œuvres, voir des vidéos, des images, tout ce qu'il nous fait comprendre sur la situation de l'Afrique.
en RDC particulièrement. Ma préoccupation est celle-ci. La RDC souffre. Nous continuons à souffrir. Nous continuons à résister. Nous continuons à dénoncer tout ce qui arrive. Mais c'est comme s'il y a quelque chose de plus que nous devons faire. Peut-être ici, nous ne savons pas c'est quoi exactement cette chose, cette chose en question. Si vous aurez peut-être une idée de plus par rapport à ça, ce serait peut-être une autre une bonne occasion de nous éclaircir sur ça. Je pense qu'elle a été ma préoccupation. Ma petite question, la première, c'est de savoir s'il y a une version anglaise de vos publications. Et puis, il y a une chose que vous avez dit là dont je ne suis pas du tout d'accord avec vous à propos des médias. Ça veut dire que ça ne vous fait pas chaud ou froid que vous passiez à CNN ou BBC. Mais moi, je crois que vous ferez mieux de passer là-bas, puisque il y a des fois où je vais dans des conférences. Et ça me fait mal au cœur de voir un petit blanc assis là, prétendant être spécialiste sur l'Afrique et sur le Congo, même par là du Congo. J'ai fait un effort pour me retenir, pour ne pas lui dire en face que monsieur, vous ne connaissez rien. Chaque appuyement, mais je me retiens souvent. Alors moi, je serais très content de vous voir passer comme un spécialiste de l'Afrique et du Congo et pour leur dire de la vérité, donc le message erroné qu'ils font passer à leur public. Parce que nous, comme CRC veut organiser, et ce que nous avons commencé depuis longtemps, d'atteindre le public européen, le public britannique, leur dit la vérité des enjeux qui sont derrière ces conflits dont ils prétendent, souvent c'est ethnique, souvent c'est congolo-congolaise. Nous voulons que les gens sachent la vérité derrière ces conflits en République démocratique du Congo et les enjeux dans les pays des Grands Lacs. Donc pour moi, je serais très content de vous voir dans ces médias ou dans une réunion ou à New York, à UN ou à Genève, leur disant la vérité en face que vous connaissez. D'ailleurs, ils le savent, puisqu'ils n'osent même pas vous contredire. Donc, pour nous, c'est de toucher le public britannique, le public européen, afin qu'ils demandent compte à leur gouvernement respectif, puisqu'ils font tout ça en allant tuer, faire violer les femmes, en leur nom, se réjouir des appareils électroniques que leurs enfants jouent avec, les PlayStation, pendant que nos enfants meurent dans les mines pour les coltans et tout ça, et les femmes sont violées. Donc moi, à ce propos-là, j'aimerais en tout cas vous faire un jour défier ces gens-là dans leurs médias. Et puis, dernièrement, j'étais dans une réunion, vous avez dit quelque chose, vous l'avez répété peut-être deux fois, où vous avez dit on veut faire accepter l'inacceptable aux Africains. J'étais dans une réunion où j'ai parlé des viols des femmes au Congo, blablabla, tout le monde était touché. Mais à la fin de la réunion, il y a un Zimbabwean qui est venu vraiment poser une question violemment. Est-ce qu'il y a des hommes au Congo? Is there any men in Congo? Pourquoi? Mais ce qui se passe au Congo ne pourra jamais être accepté nulle part ailleurs. Où sont les hommes au Congo? Et je crois que notre frère la Côte d'Ivoire l'a dit, parce que si les hommes étaient vraiment concernés, cette salle serait pleine même dans les couloirs là-bas. Donc voilà ma petite contribution. Vous m'excuserez maintenant, parce que si on passe au numéro, ça peut créer comme un désordre. Maintenant, je note que le nom. Je passe maintenant à Papa Ousmane, et puis on aura Papa Jean-Guy et puis Papa Modeste. J'ai la liste ici. Je crois bien, j'avais déjà tout parlé sur mon speech que j'avais donné concernant le sujet que vous avez parlé de complexe ou de supériorité par rapport aux blancs et aux noirs. Mais je vous assure, nous les Congolais, nous ne sommes pas complexés. Moi, j'assure ça parce que nous avons eu beaucoup de débats dans ces pays. Il y a aussi des gens ici qui sont capables de faire ce que les blancs ne peuvent pas faire. Moi-même, j'étais présent. On a eu des occasions à vivre avec des amis ici, comme le président Charles Okito, ou bien Okito,
on est parti dans une signe de grande conférence ici avec des blancs qui ne savent pas même écrire leur anglais. Moi-même personnellement, comme je te parle, j'ai vécu avec des Anglais plus de 20 ans ici dans ces pays, qui viennent même me voir pour que je trouve leur lettre. Donc le problème des complexes, je crois bien, ce n'est pas vraiment un problème majorité qu'on peut utiliser. Je peux dire qu'on est hypnotisé par les armes. Vous voyez, les Congolais sont devenus malades à cause de l'intimidation des armes. Et tu crois que le Rwandais, un Rwandais, moi je dis un Rwandais, moi, personnellement, moi, comme je suis là, je peux tabasser 10 hommes Rwandais. Je n'ai pas eu de contradiction. Donc, si vous voulez, on vit dans une situation en Occident où les gens, c'est ce que je disais au début de l'entretien, même des gens intelligents, quand il s'agit de l'Afrique, ils deviennent subjectifs. Ils ne savent plus analyser les choses de façon objective, en disant, bon, écoutez, c'est vrai ce que vous dites, c'est vrai ce qui se passe, mais nous pensons quand même que la position, notre position, elle est celle-ci. Même si la vôtre est différente de la nôtre, mais nous respectons votre position. Non, il faut que vous sortiez de votre position pour adopter leur position sous prétexte qu'elle elle est plus importante ou qu'ils ont l'impression qu'elle est plus importante que la vôtre, alors que c'est vous qui vivez les problèmes. Donc, évidemment, c'est une équation qu'il va falloir résoudre. Mais je suis d'accord avec vous sur l'histoire de l'intimidation des armes. C'est aussi pour cela que je pense que le travail que fait la diaspora congolaise depuis 4-5 ans est un travail très encourageant pour les Congolais qui sont au pays. Parce qu'ils sont obligés de se rendre compte que finalement, ils ne sont pas seuls. Et que ceux qui sont à l'extérieur essayent de pallier un peu à cette peur qu'ils peuvent avoir sur place. Mais je ne suis pas convaincu non plus que la peur seule explique la léthargie que Maman souligne sur le problème des hommes. Vous avez des gens qui, quand ils vous rencontrent en tête à tête, qui sont parlementaires, qui sont sénateurs, donc qui représentent le peuple dans ces institutions, même si ce sont des institutions qu'on peut contester. Mais toujours est-il qu'ils sont au Parlement, ils sont au Sénat, ils reçoivent la mission de représenter les gens qui sont victimes d'attaques, de viols, de violences, etc. Mais qu'est-ce qu'ils font? De toutes les façons, on ne peut pas exterminer tout le Parlement et tous les sénateurs en même temps. Donc le problème de la peur n'est pas le seul problème. Je pense qu'il y a des gens qui profitent de cette situation pour satisfaire leurs intérêts personnels dans ce système. Parce que si tous les Congolais aimaient le Congo, ça se saurait. Vous n'aurez même pas besoin de vous battre ici parce que le travail aurait déjà très largement commencé au niveau des sénateurs et des députés. Et il serait très avancé et vous serez en train d'apporter un complément de travail. Donc de ce point de vue-là, et ce que vous dites par rapport aux divisions, etc., écoutez, ça ce n'est pas l'apanage des Congolais. Demandez aux Gabonais, demandez aux Congolais de Brazza, demandez aux Camerounais. Ils n'aiment pas que vous sachiez plus qu'eux. Ils sont toujours, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est en Afrique centrale, nous sommes les champions de toute l'Afrique. Parce que en Afrique de l'Ouest, vous allez voir les gens en Afrique de l'Ouest, quand ils sont compétents dans un domaine, vous allez voir la plupart des gens derrière eux. Bon, vous avez vu Cheikh Modibo Diarra, il était vanté dans toute l'Afrique de l'Ouest comme quelqu'un d'important. Vous voyez quelqu'un comme Wole Soyinka, prix Nobel de la littérature. Bon, il est étudié même en Afrique centrale, les gens reconnaissent comme un très grand écrivain. Mais en Afrique centrale, on n'a pas de prix Nobel de littérature. Ce n'est pas parce qu'on vient simplement de la francophonie, mais on est l'incarnation d'une certaine mentalité qui fait que les gens ont du mal avec les compétences des autres. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est là où il y a le plus de compétition, alors que c'est là où les gens ont plus besoin d'unité et surtout de soutien mutuel. Mais bon, je ne suis pas sociologue, mais moi-même, écoutez, il y a un jour, ça me rappelle autre chose. J'ai publié les mémoires à Paris d'une vieille dame, Amelia Boynton Robinson, qui a été militante des droits civiques aux États-Unis. Et c'est chez elle que la plupart des réunions de Martin Luther King, les réunions secrètes, étaient organisées. Un jour, elle vient à Paris, je la reçois à la maison, on dîne ensemble. Elle avait, à l'époque, elle avait 90 ans, je crois qu'elle doit avoir maintenant 95, 96 ans. Elle me dit, Charles, mais explique-moi comment
se fait-il que les Chinois, quand il s'agit de leurs intérêts, ils sont unis, ils les défendent. Bon, et puis les Asiatiques, de manière générale. Les Arabes, quand il y a leurs intérêts sont en jeu, ils se unissent, ils se battent ensemble, ils se défendent. Les Occidentaux, quand ils ont un problème, même s'ils ont des divisions, quand leurs intérêts vitaux sont en jeu, ils se réunissent. Qu'est-ce qui explique que les Noirs ont ce problème-là chaque fois qu'ils ont un problème qui sur leur... Je suis resté 2 minutes à regarder cette vieille dame. Je lui ai dit, mais vraiment madame, si vous avez voulu me piéger, je crois que vous avez raté. Parce que si vous, avec votre âge et votre expérience, vous n'avez pas la réponse à cette question, je doute que moi je sois capable d'avoir la réponse à cette question. Donc finalement, c'est la question essentielle que nous avons. C'est que, comme vous dites bien, autant de millions, comment des millions de gens, que s'il fallait juste avoir une pression populaire, mais en quelques minutes, le Rwanda est envahi. Ils ne peuvent pas faire face à l'afflux des millions, comme effectivement quand on voyait les réfugiés rwandais venir au Congo. Même si le Congo avait mis toute son armée à cette frontière pour pouvoir empêcher, ça aurait été très difficile, pratiquement. Donc, si les Congolais se mobilisaient tous contre le Rwanda, mais je crois que le problème serait réglé depuis très longtemps. Mais le problème, c'est qu'il faut arriver à convaincre les Congolais que ce qui se passe, moi je l'ai vécu dans des conférences, etc. Convaincre les Congolais de Kinshasa que ce qui se passe à l'Est, ce n'est pas une histoire des gens de l'Est, c'est votre pays qui est en jeu, mais c'était compliqué. Et donc, si vous voulez, ça va se résoudre parce que depuis quelques années, on a marqué beaucoup de pas. La mobilisation, vous savez tous que la mobilisation qu'il y a aujourd'hui contre les musiciens, contre les politiques, il n'y a personne qui aurait parié il y a 5-6 ans que c'était possible. Donc aujourd'hui, on avance, même si on ne voit pas concrètement tous ces résultats, mais il y a des résultats, c'est une accumulation de petits résultats qui font de grands résultats. Et quand vous me demandez quelle stratégie adopter, j'en ai discuté avec les membres du CRC, hein, on a eu des discussions, etc. Ils vous feront part des échanges que nous avons eus. Mais il y a une chose qui est importante et qui est insuffisamment faite et qui rejoint la remarque que Sylvain faisait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ici, vous connaissez tous au moins une dizaine de Britanniques. Chacun. Que ce soit dans le cadre professionnel ou dans le cadre scolaire, avec les enfants, ou dans le cadre associatif, ou même pour avoir été à l'école avec eux. Si chacun essayait de convaincre 5 de ses amis britanniques à venir participer à une réunion comme celle-ci, vous aurez énormément avancé. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont directement des électeurs, des responsables politiques qui agissent sur le Congo. Et la classe politique occidentale a trop peur de ces électeurs, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Donc, ce travail-là est un travail que vous devez faire. C'est malheureusement le travail que les rebelles Tutsis avaient fait entre 1980 et 1994. Tous leurs amis français, anglais, américains étaient devenus des maillons de la défense de la cause de la rébellion Tutsis au Rwanda. C'était clair et net, indiscutable. Donc rien n'empêche, s'ils ont fait cela pour le mensonge, qu'est-ce qui vous empêche de le faire pour la vérité? Parce que vous êtes dans vos droits et vous avez suffisamment de preuves pour convaincre les Britanniques, vos amis britanniques, de l'injustice qui frappe votre pays. Donc, je pense que sur ce terrain-là, il y a énormément de choses à faire. On en a discuté. Je pense que vous aurez l'occasion d'en parler à vos amis. Alors, il y avait la question, bon oui, ça coince. Quelqu'un qui a dit, bon, malgré toute la résistance, on a l'impression que ça coince. Non, ça ne coince pas. Si ça coinçait, il y a longtemps que le pays serait pris. Mais je comprends en même temps l'impatience des Congolais qui veulent voir des grands résultats, mais un gros truc. Mais vous savez, pour que les gens prennent le pays, vous savez combien de temps ça a pris? Beaucoup d'années. Pour arriver à renverser Mobutu en 97, ça s'était préparé depuis longtemps. Ça ne s'est pas fait comme ça en 97.
pour aboutir, regardez à quel moment les événements du Rwanda sont arrivés. C'était en 1994. Regardez le temps qui a été mis pour arriver à plier l'Est du Congo. Donc, ne soyez pas impatients. Au contraire, munissez-vous d'une endurance incroyable qui va vous permettre non seulement de faire un travail méticuleux, un travail de fond, mais en même temps de réussir à modifier la donne. L'action qui a été menée ici pour empêcher Kagame à Oxford de recevoir son... Ça a été vu par des tas de gens. Et les Britanniques qui ne savaient pas ce qui se passait à Oxford ce jour-là ont su qu'il y a des Africains là qui ont un problème avec ce monsieur. Donc si vous voulez, c'est pas des petites actions, il ne faut pas sous-estimer ces actions-là. Mais il faut simplement les perfectionner, les multiplier, les sophistiquer et travailler à complexifier votre propre dispositif de résistance. C'est comme cela que vous allez effectivement les battre sur le terrain intellectuel et sur le plan stratégique par rapport à la défense de vos propres intérêts. Je pense que j'ai répondu. Ah oui, la version anglaise. Bon, le conseil de résistance ne doit pas passer le temps à résister, à se retourner les bouches. Ils doivent travailler avec trouver des traducteurs parce que ça également, c'est une arme. On en a parlé. C'est une arme très importante. Pourquoi? Parce qu'ils sont très contents que par exemple, le dernier livre sur l'action de l'Union européenne soit en français. Parce que les Anglais, les étudiants anglais ne peuvent pas entendre les réponses que donne Mme Ashton lorsqu'on vient lui présenter les rapports sur la situation des élections au Congo. Et les gens ne peuvent pas comprendre le rôle des congressistes américains qui publient, qui écrivent une lettre au président Kagame pour lui dire très clairement quel est son rôle et son implication au Congo. Mais si vous ne travaillez pas, moi je fais ce que je peux, mais comme j'ai dit, si vous vous mobilisez pour faire traduire ce livre-là, je peux obtenir de la maison d'édition de le faire éditer en anglais pour que vous l'ayez et que ce soit les parlementaires anglais que vous voulez contacter ici, vous n'avez pas besoin de vous épuiser pour aller les étudiants, etc. Vous leur donnez, vous les incitez à les lire. Et puis, c'est eux qui vont devenir vos meilleurs avocats dans l'appareil de l'État et dans l'ensemble du pays. Ok. Soyons tellement courts, pas de... J'aimerais que vous arrêtez avec des commentaires. Passons toujours avec des questions, ça va, parce qu'on a toujours, on a seulement 20 minutes seulement. On doit arrêter avec les questions, puis on va passer avec les ouvrages qui paraffent là, ça va aller. Alors, je vais vite aller. Mon inquiétude était juste parce que vous travaillez très durement, mais il semblerait que vous êtes seul. Dans la résistance, dans les combats contre cette occupation du Congo, il y a quand même nous autres qui avions pris ce courage de commencer à être dans la profession. Quelle est la connexion que vous pourriez donner avec la résistance, médiatiquement je dirais bien, avec la résistance congolaise pour essayer d'amplifier vos recherches? Et si vous aviez déjà pensé à ça, comment pourrions-nous avoir un réseau d'amplifier vos recherches auprès des Congolais, auprès de la communauté internationale? Merci. Merci. Plusieurs questions qui étaient répondues déjà. Je voudrais passer la parole à mon ami. Ok, je vais aller là. Ouais, James. James. Monsieur Charles, je vous appelle. Je vous appelle monsieur. Et puis je vous appelle aussi frère Charles. Et enfin, ami du Congo. Juste deux choses. Vous avez sillonné beaucoup, mais quand vous parlez du bureau d'études stratégiques européennes, vous êtes allé. Et la dernière information que vous nous avez donnée sur la dame aux États-Unis, vous avez dit qu'elle travaille là où s'est passé des réunions secrètes. Donc, je voudrais savoir jusqu'à quand continuerez-vous à faire des conférences au lieu aussi d'entrer dans ces bureaux d'études stratégiques pour le Congo avec les scientifiques congolais, les vrais politiciens congolais, pour arriver à résoudre le problème qui est politique et économique. Papa Modeste,
Ok, merci. Je m'appelle Maurice Soussou. Je vais d'abord commencer par rendre hommage à M. Onana. C'est un africaniste que j'ai cherché à rencontrer depuis des années. Papa René témoin, il sait combien de fois je me suis déplacé chaque fois que j'apprenais que M. Onana était annoncé ici. J'ai frappé à toutes les portes rien que pour avoir accès à ces messieurs-ci. Je salue vraiment très vivement. Et papa pasteur Chaban aussi sait combien de fois j'étais chez lui à la maison pour demander de me confier des fils sur le téléphone de M. Onana pour que je lui parle parce que moi je suis aussi écrivain. J'écris en indépendant des livres sur la libération du Congo. Un livre séparant de 14 rouges pour les hommes de Kabila. Et je profite de l'occasion pour dire que je souhaiterais que M. Onana puisse préfacer ce livre, ce qui n'est en fait qu'un état de brouillon. Voilà, c'est déjà un petit avertissement. Alors, passant à l'essence de ma question, qui est en fait pas une question mais un commentaire, je veux vous faire part d'une petite aventure que j'ai vécue en Égypte, alors que j'étais encore ministre plénipotentiaire à l'ambassade du Congo. J'étais comme deuxième personnalité à jouer au chef de mission diplomatique. Alors un jour, soir là, à l'occasion d'une soirée diplomatique, c'était l'ambassade de Suède, je crois qu'il organisait une soirée pour sa fête nationale. Et bien, j'étais approché comme ça par un monsieur, de petite taille. Il a été certainement appris que j'étais du Congo. Il m'a approché, dit, voilà monsieur, bonjour, ceci, cela. Il dit, voilà, je suis monsieur Karim Kassem. Kassem, je crois que vous le connaissez, c'est l'ancien ambassadeur égyptien qui a été désigné président du panel des Nations Unies pour enquêter sur le pillage de matières premières du Congo pendant la guerre. Il s'est fait que pendant ce pillage-là, les autorités congolaises étaient impliquées elles aussi dans ces vols. Alors, j'ai dit, oui, mais alors, quelle a été votre conclusion? Il dit, maintenant, d'abord, il commence par vanter le président de la République, Kabila, dit, vous êtes sous l'autorité d'un président très sérieux. C'est un très bon gestionnaire. Et puis, il passe à la deuxième question, voilà. Nous avons compris que le problème du Congo, c'est vos matières précieuses, c'est vos ressources minérales et vos ressources minières. Aussi longtemps que vous aurez ces richesses-là, on ne vous laissera jamais en paix. Vous serez toujours l'objet des attaques, des agressions, des invasions de toutes sortes. Je dis bien alors, vous en tant qu'ambassadeur chargé des enquêtes, quelles solutions vous avez amenées? Il n'a rien dit. Je dis seulement non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tant que aussi longtemps vous serez riche, vous serez toujours envahi. Alors, j'ai saisi l'occasion pour vous poser la question. Vous pensez que cette déclaration, c'est une prophétie défaitiste? Ou quoi? Est-ce qu'on ne peut rien faire contre ça? Vous dites bien que nous sommes soumis à un arsenal qui nous envahit chaque fois qu'on veut lutter pour avoir un gouvernement légitime, un gouvernement transparent, sérieux. Les Blancs portent toutes sortes d'armements pour encadrer les élections, pour faire sortir leur homme. Au point même qu'ils doivent aller mettre au froid un homme comme Tshisekedi contre un va-nu-pied comme celui-là, comme Kabila, et bien c'est Tshisekedi qui a été battu. Je suis sur le propre terrain, ça c'est simplement scandaleux. Alors, devant les possibilités pour nous d'émerger, devant les possibilités de lutter, quelles sont d'autres méthodes que nous pouvons utiliser? Et vous, personnellement, vous ne pouvez pas porter cette question devant l'Union africaine, par exemple, pour qu'on puisse organiser une politique, une stratégie pour défendre au même titre que l'armée africaine. On ne peut pas organiser une organisation comme ça pour défendre quand même l'évasion des matières premières comme ça, le vol de l'Afrique par des étrangers. Merci beaucoup. Ok. S'il vous plaît, soyons rapides avec les questions. Parce que si vous êtes... Ok, je vais appeler Pasteur Benny Mouila, soyez tellement court avec la question, et puis on va prendre toutes les questions qu'il va répondre, puis on passe. Pasteur Mouila. Merci pour la parole, je suis Pasteur Benny Mouila. Ce n'est pas une question, c'est seulement une petite contribution à mes compatriotes. Je vous remercie vraiment, M. Charles Onana, je ne m'y attendais pas avant de vous avoir vu. Je m'attendais à un vieux papa là, mais vous m'impressionnez, vous semblez avoir aussi mon âge. Ça a vraiment beaucoup de courage. Vous savez, à l'école, on nous a appris une petite chose, une récitation. On a dit la récitation de la laboureur et ses enfants.
travailler, prenez de la peine. C'est le fond qui marque le moins. Car un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, il fit venir ses enfants l'air parlant sans témoin. Personne n'était là. Il n'y avait que les laboureurs et ses enfants. Il leur dit, gardez-vous de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Et cet héritage, c'est l'Afrique. Je me suis rendu compte que cet héritage, c'est l'Afrique. Et les enfants, c'est nous qui sommes ici. C'est une grande étonnement de voir que les Africains sont en train de vendre cette terre-là, cet héritage-là. Et je voudrais profiter de cette occasion pour parler à mes frères congolais. C'est ce que les amis venaient de dire avant moi. Une telle rencontre est une rencontre qui devait remplir des salles. Cette salle est trop petite. Je suis pasteur, je vous dis que les Occidentaux nous ont infiltrés depuis longtemps, même sur les plans ecclésiastiques. Ils ont utilisé l'évangile. Je suis pasteur, ne vous étonnez pas. Ils ont utilisé l'évangile pour pouvoir nous infiltrer. Et ils nous ont tués. Aujourd'hui, les Congolais remettent tout entre les mains du Seigneur. Ils remettent tout entre les mains de Dieu. Ils ne peuvent pas combattre. Ils attendent à ce que le Seigneur vienne combattre pour eux. Et j'ai vu, quand j'étais au Congo, les Rwandais venir avec les armes pour nous tuer. Et il y a un soi-disant pasteur qui dit, nous devons nous agenouiller pour prier. On a tué pas mal de gens à Limété. J'étais à Kinshasa. Et quand je lis vos livres, vous êtes parmi les gens qui m'inspirent. Je n'aurais pas honte de l'annoncer ici. Je vous ai lu. J'ai lu les livres du président Honoré Nguanda. Tous vos livres m'ont révolutionné. Et avec ma petite contribution, j'ai pris beaucoup pour vous. Parce que moi, je vois ces combats à des faces. Je vois ça physiquement et spirituellement. Le Congo constitue un plan très très important, un terrain très important que Lucifer est en train de se préparer pour prendre les minerais, pour préparer son règne. Vraiment, je m'arrête là, j'ai beaucoup à dire, je ne vais pas m'éterniser. Si on va avec les commentaires, je pense que il est là pour parler, il est là pour répondre. Moi, je pensais d'ailleurs les Congolais vont le mettre au poil avec des questions, mais ça paraît que non, il y a des loges, ça va. Mais mettons seulement des questions, s'il vous plaît. Papa José, s'il vous plaît, arrêtons avec les commentaires. Faites toujours la question. Merci, monsieur Lana. Je voudrais savoir, je ne vais pas te dire qu'un pays occupé ne peut pas aller aux élections. Et si on voit les Congo aujourd'hui, il y a des gens qui se précipitent parce qu'il y a des élections qui s'annoncent en 2016. On a des leaders d'opinion ou des opposants qui prônent pour des armes. Mais jusque-là, ils ne font absolument rien. Et vous croyez vraiment que, peut-être, je ne sais pas, avec les armes, le Congo sera libéré, ou il y a encore d'autres stratégies qu'on pourra appliquer pour libérer notre territoire? Merci. 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 C'est Moiseau, là, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur Onana. Je ne sais pas si je peux vous appeler monsieur, mais moi je vous appelle héros. Parce que je me suis inspiré sur votre premier livre et cela m'a amené à écrire un livre que je vais vous donner déjà une copie pour lire, qui est en anglais. Le Congo, c'est le centre du monde, mais pas de l'Afrique. C'est le centre du monde. Les frontières du Congo, c'est naturel. Ce n'est pas l'homme qui a tracé ou la conférence de Berlin qui avait tracé. C'est naturel. Un homme sans culture, c'est un zèbre qui n'a pas les straps. Donc, nous allons vraiment analyser beaucoup de choses ensemble. Il faut que nous constituions une unité pour faire face à tout ce qui se passe au Congo. Ma question est la suivante. Dans vos documents d'enquête qui accusent, vous n'avez pas proposé des recommandations. Pourquoi?
C'est ça la question. Pourquoi les Occidentaux ont choisi Kabila à la place de Bemba? Quels étaient les éléments qui ont poussé les Occidentaux à aller vers Kabila? C'est bien que son père était affiné, mais Bemba, c'était un petit peu, donc c'était quelqu'un qui plaisait. Quelles étaient les raisons qui ont poussé les Occidentaux à choisir Kabila spécifiquement? Ma deuxième question rapide. Donc en vous basant sur votre premier livre, deuxième livre, Les Situés à Tutsis, doit-on aujourd'hui ouvertement parler d'une guerre ethnique entre les Tutsis et les Bantous? Et quelles seraient les conséquences pour la région d'une telle guerre ouverte? Parce que voilà, le niveau des atrocités nous pousse aujourd'hui à parler d'une guerre pratiquement ethnique. C'est un Chaban ici, quoi. Non, c'est Diabou ici. Papa Blaise. Merci pour la parole. On a fait le monsieur Nana. Je prends l'occasion de vous présenter tous mes hommages parce que j'ai eu l'occasion de lire votre livre, particulièrement cette heure tout de suite. Je voulais vous poser trois questions. La première, je voulais y aller rapidement parce que quelqu'un y a fait allusion ici. Un livre que vous avez préfacé et que vous certainement vous connaissez très bien, celui de Maureen Wanda, dont le titre est Les crimes organisés en Afrique centrale. Avec tout le recul que vous avez pu avoir pendant toutes ces années, si vous devez revenir là-dessus, quel est l'apport supplémentaire que vous pourriez éventuellement y apporter? La deuxième question est celle-ci. Je pose la question au journaliste d'investigation que vous êtes. Au regard de ce qui est en train de se passer au Congo, il est sans conteste, on l'évoque à maintes reprises, qu'on est en train d'emmener ce Congo à sa balkanisation, à l'exploitation de ses ressources naturelles. Vous, le journaliste d'investigation, quelle lecture faites-vous par rapport à l'attitude de certains pays qui sont impliqués dans cette atomisation à laquelle on veut emmener le Congo, dont je cite particulièrement la Grande-Bretagne et les États-Unis, et d'autres pays membres du Conseil de sécurité, quand d'autre part, on observe une attitude d'autres membres du Conseil de sécurité, mais apparemment contradictoire à celle-là. Je veux particulièrement citer la Chine et la Russie. Quelle est la lecture que vous faites là-dessus? Ma troisième question est celle-ci, toujours d'ordre géopolitique. Nous avons l'impression, c'est peut-être mon impression personnelle, mais je voudrais vous poser cette question, nous avons l'impression, malgré que l'on tienne la dragée haute à certains pays africains, on a comme l'impression qu'on est en train de liquider les pays francophones. Je peux me tromper. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Parce qu'un pays comme le Zimbabwe, il a beau s'opposer à l'Occident, mais néanmoins, quand on voit ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, quand on voit ce qui s'est passé dans d'autres pays francophones, pourrait-on se permettre d'avoir cet avis? Je vous remercie. Noé Wanda que j'ai préfacé parce que je pense qu'à l'époque il était dans une situation politique qui permettait peut-être d'avoir accès à un certain nombre d'informations et d'être en contact avec un certain nombre de décideurs, et donc pour moi je pense que c'était important et sur ce plan là j'ai insisté pour que M. Wanda fasse ce livre là pour qu'il explique à ses compatriotes ce que lui il sait de ce qui s'est passé. Bon, est-ce qu'il l'a bien fait, est-ce qu'il l'a pas bien fait, bon moi je n'en sais rien, mais je pensais qu'il était important que je... Si vous voulez, l'essentiel de mon combat, c'est d'éviter que les Africains restent des ignorants. Ça vraiment, je mets tout ce que j'ai comme énergie dans cela. Parce que je pense que c'est quand vous comprenez, on nous a toujours dit un problème bien posé et à moitié résolu. Quand vous connaissez mal les données du problème, il est difficile que vous puissiez le poser correctement. Et cela arrange toujours ceux qui sont en situation de force et de domination.
Or, à partir du moment où vous avez les éléments du problème, ça devient compliqué qu'on vous raconte n'importe quoi. Et par rapport à ça, je ne regrette pas de l'avoir fait. Les États-Unis et la Grande-Bretagne, dont leur position par rapport à la balkanisation, par opposition à la position des Russes et les Chinois. Non, je pense que les Russes et les Chinois sur la question. D'abord, les Russes sont beaucoup plus en retrait encore que les Chinois. Les Chinois aujourd'hui ont une stratégie très simple et très globale en Afrique. C'est qu'ils ont pris conscience de l'énorme retard qu'ils ont eu, alors que dans les années 60, dans les années 50 en tout cas, ils ont soutenu les mouvements nationalistes africains. Mais après, ils se sont retirés. Et ils ont laissé les Occidentaux. Mais ils se sont rendus compte que c'était une mauvaise analyse et qu'aujourd'hui, vu le potentiel de richesse de l'Afrique, vu tout ce que l'Afrique regorge de matières premières et surtout comme marché potentiel, c'est anormal d'être en dehors de cela. C'est pour cela que les Chinois ont développé une stratégie d'implication de plus en plus sur le terrain économique parce qu'ils ont peur, ils ont des... d'un milliard de personnes à nourrir, et c'est pas quand même facile. Donc ils se sont dit, mieux vaut s'impliquer davantage, et la concurrence maintenant est beaucoup plus féroce qu'elle ne l'était quand on était dans un tête-à-tête avec les anciennes puissances coloniales. Bon, mais là encore une fois de plus, les Africains n'ont pas été préparés à cette concurrence-là. Ils étaient habitués effectivement à la Belgique, le machin, mais là maintenant ça devient complexe parce que il y a plusieurs partenaires. Et il n'y a pas que les Chinois dans l'affaire, il y a les Indiens qui sont maintenant impliqués dans ça, il y a les gens de Malaisie, etc. Tous ces gens-là sont tous les pays du Golfe qui se donnent rendez-vous dans le continent, le Qatar de plus en plus offensif aussi sur le terrain économique et diplomatique. Donc vraiment, on a du pain sur la planche, on a beaucoup de travail, mais c'est exaltant. Ce n'est pas... pour les esprits qui ont envie de travailler, le moment est venu pour nous, effectivement, comme le père disait, on va se réveiller. On va nous obliger à nous réveiller, même si on n'était pas complètement endormi. Alors, est-ce que c'est la liquidation de la francophonie? Oui, je pense que c'est une question très importante, mais une question face à laquelle la France elle-même n'est pas aujourd'hui complètement réveillée. Quand Clinton était arrivé au pouvoir, ça a été un des éléments les plus importants de l'administration à Clinton. C'était de lutter contre les zones d'influence françaises. Mais pourquoi? Parce que les zones d'influence françaises sont des zones d'influence très riches, mais qui sont devenues un paradoxe pour la France qui vit une crise économique et une paupérisation importante, alors qu'elle a été à la tête de colonies qui n'étaient pas des colonies pauvres, comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Sénégal. Tous ces pays-là, aujourd'hui, le Mali, qui est aujourd'hui l'objet d'un conflit très important, parce qu'il y a l'uranium du Niger, qui est convoité aujourd'hui par des grandes puissances, par l'Iran, etc., etc. Donc on est dans une situation, dans une configuration géopolitique qui devient très intéressante, et où les Français, je vous le dis tranquillement, sont complètement dépassés, et il y a un certain nombre de gens ou d'intellectuels dans ces pays-là qui sont complètement dépassés, parce qu'il n'y a pas eu un travail d'anticipation analytique pour se réapproprier ces zones d'influence où il fallait protéger. Quand je disais, je dénonçais l'attitude française en Côte d'Ivoire, parce que je disais d'ailleurs, je l'ai dit aux Maliens, en disant aux Maliens, les Maliens et les Burkinabés qui participent à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire, ben vous n'en sortirez pas indemne. Eh bien, un an ne s'est pas écoulé avant de voir le Mali menacé par les groupes armés islamistes, mais aussi par les Touaregs qui étaient à l'intérieur. Et quand vous regardez qui finance tous ces gens-là, vous comprenez encore que c'est encore les mêmes pour refaire la même chose. Donc, on est à la fois dans une situation qui est très compliquée, mais on est en même temps dans une situation qui est très exaltante, qui va nous obliger à sortir nos tripes pour défendre le continent et sortir nos populations de cette situation-là. Alors, le rôle de l'ONU comme force de maintien de la paix. Vous savez, tous les Congolais connaissent l'assassinat de l'ancien secrétaire général de l'ONU parce qu'il n'était pas tout à fait d'accord avec la vision qu'avait Oncle Sam à l'époque par rapport à ça, et que les enquêtes sur son assassinat ont été plus ou moins bâclées. Mais si vous voulez, l'ONU aujourd'hui est dans une situation très compliquée en République démocratique du Congo, parce que malgré les preuves que j'apporte d'ailleurs, ça a d'ailleurs été une des raisons pour lesquelles je suis
une de mes interviews était passée sur Radio Capi, parce que je faisais quand même comprendre que le Rwanda est obligé de menacer la MONUC, parce que la MONUC a des preuves de son incursion sur le territoire rwandais. Bon, mais... sur le territoire congolais, pardon. Donc, si vous voulez, on est dans une configuration où l'ONU, aujourd'hui, je crois qu'ils ne sont pas très fiers de ce qu'ils font au Congo, parce qu'ils sont venus comme force de maintien de la paix. Mais quand on viole des femmes devant vous, qu'on massacre des enfants, qu'on massacre des familles entières devant vous, parce que sous prétexte qu'il n'y a pas de mandat pour pouvoir assurer la sécurité des populations, pour prendre la décision au Conseil de sécurité de mettre un mandat supplémentaire qui vise sur un chapitre précis la défense et la sécurité du peuple congolais, ce n'est pas très compliqué. D'autant plus qu'on a eu le même problème au Rwanda. Donc on a comme l'impression que chaque fois qu'on envoie l'ONU, ce n'est jamais pour assurer la sécurité des citoyens dans la zone incriminée, alors qu'en fait, les anciens conflits auraient dû donner dans les recommandations du Conseil de sécurité un paragraphe qui spécifie qu'il faut protéger la population civile dans les conflits armés. Alors, le rôle, alors sur la Tanzanie, le Rwanda, le Burundi, etc. Bon, si vous voulez, ça nous ramène tout simplement au dossier du Rwanda, parce que pour mieux comprendre le jeu de tous ces pays en Afrique centrale, quand on sait que la Tanzanie a été le siège du tribunal, est devenu le siège du tribunal pénal international après avoir été l'endroit d'où est parti l'avion le 6 avril 1994 pour être abattu à Kigali, ça pose problème. Quand on suit les escarmouches qu'il y a eu ces derniers temps entre le président tanzanien et Paul Kagame, on comprend qu'il y a quand même il y a une certaine tension, mais qui est très bien arbitré par la Grande-Bretagne et par les États-Unis, parce qu'il ne faut pas que la Tanzanie se fâche contre le Rwanda, parce qu'elle est détentrice de beaucoup de secrets sur la façon dont la déstabilisation du Congo a été faite. Le rôle de l'Afrique du Sud, oui, aussi très important, parce que l'Afrique du Sud a effectivement abrité quasiment l'essentiel des gros accords de la politique intérieure du pays, le 1+4, etc. Enfin, un truc qui est complètement absurde et qui a été validé là-bas. Les premières négociations pour la chute de Mobutu ont été faites en Afrique du Sud. Donc, les Sud-Africains sont devenus aujourd'hui les meilleurs connaisseurs de la crise du Congo. Et je ne suis pas certain que l'Afrique du Sud regarde aussi la situation du Congo sans avoir quelques appétits au même titre que les autres prédateurs, puisque dernièrement on a vu un déploiement de forces quand même assez étranges en République centrafricaine à la frontière avec le Congo. Donc je pense que, et là quand il y a quelqu'un qui a donc une question liée au rôle de l'Union africaine, mais écoutez, regardez le financement de l'Union africaine. L'Union africaine est très largement financée par l'Union européenne et par les institutions financières internationales. Donc, quand vous mettez dans cette position, dans la gestion et le fonctionnement de votre budget, il est difficile que vous preniez des décisions sur le plan politique qui soient des décisions courageuses. Mais pour couronner tout ça, je vais quand même vous dire une chose qui est très importante, très positive, pour que les Africains n'aient pas l'impression qu'après un constat aussi désarmant, aussi éblouissant, les pistes de solutions sont maigres. Si on avait dit aux Sud-Américains, aux gens en Amérique latine, que la situation politique allait changer dans ces pays-là en l'espace d'il y a une dizaine, une quinzaine d'années, personne n'aurait cru. Personne n'aurait cru qu'on allait se retrouver avec des Morales, des Hugo Chavez, etc., des Ortega, qui ont pris la décision de monter une banque dans leur région pour financer leur économie, pour travailler à une unité politique et avec une vision de leur destin et de leur avenir, et surtout en mettant dehors un certain nombre de multinationales qui ne respectent pas les populations sur les territoires où ils vont s'enrichir. Je crois que personne n'aurait cru que c'était possible dans une région où la CIA a passé le temps à mener des actions de stabilisation. Donc si ça a été possible, ça signifie que le chantier de l'Afrique est complètement ouvert. Et...
Merci beaucoup. Bon, je pense qu'on va pouvoir arrêter les questions parce que on a déjà été. Je m'excuse beaucoup avec papa et Pandéa Jean et puis Christian. Papa Ngoma, si vous êtes prêts pour votre annonce, et puis Pasteur Chabanier, on va passer. Qu'on soit court parce que on a vraiment.